Probably the design, the whole design process is one of the funnest parts of what we do. D'après Robin et Ron Miller, cofondateurs de Cyan, la conception de Myst était l'aspect le plus amusant de ce projet. Myst était différent des autres jeux qu'ils avaient créés, car ils ont passé un mois et demi à concevoir les différents mondes de Myst et leurs caractéristiques. Everything involved with it, sitting down and going over puzzles and whether or not they'd be too hard or too easy. Ils ont composé des énigmes, les testant sans arrêt pour évaluer leurs difficultés. Elles ne devaient être ni trop difficiles ni trop faciles, et surtout elles devaient correspondre à l'histoire générale. It could kind of open up to the side where the so we'd extend the gameplay by having just the depth. Ils ont également voulu prolonger la durée du jeu en créant d'innombrables lieux à explorer avec force détail, de sorte que le joueur ait l'impression que le jeu est sans fin. You wouldn't believe some of the stupid ideas that we end up robbing and coming up with. Myst Island. This is where we film incredible movies. This is our incredible blue screen. Blue screen. This is our blue screen table. A real high quality production. That's a dictionary on the table. I think it was $19.95 on sale. Special deal of $19.95. Yeah, we really got a good deal on that. It's regular at $99. Robin et Rand ont toujours fait preuve d'une grande minutie lors de la création de décors afin de leur donner un plus grand réalisme. Ils voulaient que Myst soit riche en détails et ont donc dû créer un grand nombre de dessins, ce qui a demandé un travail considérable. Chuck Carter, modèleur 3D, dit avoir créé les environnements graphiques sur ordinateur. Il s'agissait en quelque sorte de fabriquer des décors, puis, à l'aide de l'ordinateur, d'effectuer la prise de vue des différents lieux et objets. Cela revenait à déplacer une caméra virtuelle sur des décors virtuels, d'une pièce à l'autre par exemple, ou le long d'un couloir. Une fois ces décors virtuels montés en séquence, ils avaient un tel aspect photographique que le joueur avait vraiment l'impression de faire partie de ce monde. Par exemple, if we're building a room, we tell the computer, okay, a wall goes in this place. Par exemple, raconte Robin, lorsqu'il construisait une pièce, il devait dire à l'ordinateur, là, il y a un bureau avec une surface en bois et des poignées dorées. Et ici, le bois est sculpté. Little gold handles in the front, and it has a carving in the front of the wood, or inlaid wood at this part. We would build an incredible amount of detail into our models. Ils ont conçu tous les modèles très minutieusement, en étudiant jusqu'au moindre clou et la moindre vis. Cela a supposé un travail énorme. I started off kind of seeing it from an artist's perspective. Chuck a commencé à imaginer tous ces décors d'un point de vue purement artistique, en essayant d'inventer les scènes les plus extraordinaires. Mais il s'est vite aperçu que lorsqu'il parvenait à créer ce qu'il avait en tête, très souvent cela ne convenait pas à l'interface, parce que sa conception n'était pas réaliste. L'obstacle majeur a été pour lui de s'assurer que ses créations fonctionnent avec l'interface utilisateur, tout en conservant leur qualité esthétique. When we first started out, we had really no idea how we were going to be able to create
these landscapes. Robin avoue que lorsqu'ils ont commencé, ils n'avaient aucune idée de la façon dont ils allaient créer les paysages, notamment comment ils allaient créer les terrains là où ils voulaient leur donner un relief précis. Ils ont développé une méthode consistant à peindre d'abord le terrain en niveau de gris. In grayscale, a large picture of the terrain in grayscale, the light areas of that grayscale image. Les zones claires de l'image représentaient les parties devant être surélevées pour former une montagne ou une colline, par exemple. Puis, ils ont fait passer les images dans Stratovision, où ils les ont extrudées. Extruded in Stratovision, and voilà, there we had our incredible terrains. We needed to put some sort of texture. Il a ensuite fallu recouvrir le terrain d'une texture pour lui donner vie. But all we had to do was just look at our terrain, decide which areas would have. Ils ont décidé des zones qui seraient recouvertes d'herbe et celles qui seraient rocheuses. Puis ils les ont peintes. Ils ont ainsi obtenu une carte de couleur dont il était possible d'envelopper le terrain. Pour finir, ils ont rajouté des arbres, des centaines d'arbres, pour obtenir une forêt. Basically build a forest. C'est à ce moment de la conception qu'ils ont su que Myst était réalisable tel qu'ils l'avaient imaginé et que tout le jeu pourrait avoir lieu sur une île rendue en trois dimensions. Chuck a été inspiré par de nombreuses sources. Par exemple, alors qu'il regardait un jour la petite sirène avec ses enfants, il a vu un poisson globe. Il avait trouvé la forme de ce poisson intéressante sans consciemment prévoir de s'en servir. Mais c'est en commençant à s'amuser avec macromodèle qu'il a créé ce vaisseau. In order to figure out what sound, Steve Brandkamp a ajouté le son une fois le dessin complètement fini et mis en contexte, de façon à pouvoir déterminer les bruitages nécessaires. And then I could say, ah, that's the kind. Il savait qu'il fallait un beau son de cloche pour la tour de l'horloge, parce que c'était une horloge de taille. Pour créer ce son, il s'est servi de sa clé de 7 huitièmes de pouce, qu'il a frappé contre un autre objet métallique pour la faire résonner. Wrench with a lifetime guarantee. To I just whapped it, and it had such a reverberant sound. Puis sur l'ordinateur, il a baissé le son qui était trop aigu, jusqu'à obtenir le superbe son d'une grosse cloche. Bell sound from a wrench. Ah, the most hateful sound. Had to be the bubbles. What you hear are actually bubbles in a toilet. Le son le plus difficile à produire a été celui des bulles. Le bruit que l'on entend est en réalité celui de bulles soufflées dans un cabinet de toilette. C'est Chris, à l'aide de tubes plus ou moins. That was the biggest pain. Cirrus, Akinar. We didn't want music interfering with the gameplay, and so we weren't going to put any music in. Ils ne voulaient pas que la musique interfère avec le jeu, raconte Robin. C'est pourquoi ils avaient initialement décidé de ne pas en ajouter du tout. Mais après avoir composé quelques morceaux, ils ont réalisé que la musique ne gênait aucunement le jeu et qu'elle ne faisait pas de Myst une sorte de Super Mario Bros. Au contraire, elle semblait ajouter à l'évocation de certaines ambiances. I can get it out fairly quickly. So I think the songs went pretty quick. But yeah. What was the question again? C'est la vitesse du CD-ROM pendant la totalité du développement qui a posé le plus gros problème.
Comme l'explique Rand, pour augmenter sa vitesse, ils ont dû réduire les images à 8 bits et utiliser des palettes personnalisées pour chacun des âges. Le résultat était très satisfaisant, puisque les images conservaient un aspect 24 bits. Ils ont ensuite appliqué la compression de QuickTime Ils sont ainsi parvenus à comprimer des images 80K. Rich, what are you working on? Nothing. In putting it together, John Miller, de chez Simplex, a collaboré très étroitement avec eux sur Color X Command pour supprimer tout ce qui n'était pas indispensable et pouvait gêner la vitesse d'affichage des couleurs à l'écran. To take out anything that wasn't necessary for getting the color to the screen as fast as possible. L'évaluation du produit par des groupes de consommateurs testeurs a été très utile et ils ont pu tirer profit des nombreuses suggestions et observations des utilisateurs. Voici quelques-uns de leurs commentaires. C'est une idée géniale. Ce jeu n'a rien à voir avec aucun des jeux qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Ce n'est pas un jeu comme les autres. Il ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. Il est impossible d'avoir la moindre idée de ce qu'est Myst avant d'y avoir joué, parce que c'est quelque chose d'entièrement nouveau. Ce jeu est tellement différent. On a vraiment l'impression de vivre dans ce monde, et on se sent tellement impliqué dans son exploration qu'il est tout simplement impossible de s'arrêter. Je n'ai jamais rien vu de tel.